Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup en ce nouveau Vlogmas. Vlogmas numéro 13, donc qui sortira demain et après-demain. Vous avez la My Little Box du mois de décembre. Voilà, c'est décidé, c'est bon. Alors hier, j'ai pas pu finir de monter la vidéo, ça m'énerve. Les rushs, ils voulaient pas s'exporter du téléphone sur le OneDrive. Donc je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Du coup, je finirai le montage tout à l'heure. Pas choix. Voilà, petite tenue du jour. C'est une robe comme ceci. Je l'aime trop. J'ai une ceinture à mettre là, mais j'aime bien être à l'aise, surtout quand j'ai mes règles. Donc, voilà, c'est comme ceci. Et mes bottes, j'aime trop. Et j'ai mis des chaussettes aussi. Cette fois, j'ai mis un collant comme ça. J'ai pas mis un collant. Qui est opaque. Voilà, je trouve ça fait bien le petit contraste. Et puis j'ai mes chaussettes, donc ça devrait aller. Voilà la petite tenue du jour. Vous voyez pas trop là. Peut-être un peu mieux comme ça. Coucou, j'espère que vous allez toujours bien depuis tout à l'heure. Ah, bah écoutez, moi ça va, ça y est, journée de cours finie. Je suis passée faire des petites courses aussi. Et voilà. On a des réductions là. Mais c'est pareil, là j'avais une réduction parce que je peux aller faire des petites courses à Auchan. Et malheureusement, j'ai oublié d'utiliser mes bons de réduction que j'avais. Je suis deg. J'en avais plein. Avec mon tapis, hein. C'est pas grave, grave en soi, mais bon. Voilà. Et j'ai fini ma carte de ticket restaurant aussi. Alors, j'ai pris un autre truc, c'est pareil, boulgour et tout, mais cette fois, il y a des aubergines à l'intérieur, ça a l'air trop bon. Pour ceux qui aiment les légumes, ça a l'air trop bon. Okay. Bon, du coup, j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. Des machines, des rangements de la maison. Et réviser. Encore. Encore et toujours. Et hier, je suis restée une heure sur la psychologie cognitive à corriger et tout. J'ai même donné des bibliographies à un de mes camarades parce qu'il m'avait demandé. Du coup, j'ai partagé ça hier soir. J'ai passé une heure à tout ça. Puis à corriger aussi. Parce qu'en soi, je fasse la vaisselle aussi. Parce que Ron, il fait n'importe quoi. Il veut voir le trou du lavabo, là, de l'évier. Ça ne sert à rien. C'est ça, un chat que vous voulez voir. Arrête, tu vas tout me casser. Arrête. Voilà, il est là, le trou. Et du coup... Ouais, donc moi je mets très souvent des abréviations et là j'ai tout corrigé, j'ai mis les bons termes et tout. Par exemple, mémoire long terme, mémoire court terme, ben ça je le mets en abréviation, mais là j'ai tout mis bien pour bien me souvenir, tout simplement. Voilà. Je suis fatiguée. J'ai bien dormi, mais quelqu'un a mis un réveil à 5h30 du matin. Et le réveil, il a sonné deux fois. Je sais même pas c'est qui a fait ça. Mais je sais que c'était trop tôt. On peut se réveiller pour moi. Et du coup, je suis restée un peu au lit. Mais j'essaie de me rendormir. Je me dis, attends, t'as presque une heure à dormir. Essaye de te rendormir. Et pareil, je voulais aller continuer les cadeaux de Noël. Parce que il y a des choses bien spécifiques. Je sais où les acheter et tout. Mais flemme. J'irai peut-être tout à l'heure. On verra. On verra bien. Vraiment, vous imaginez même pas. Ouais, mais bon, nous ça va. Ça va, ça va, j'ai le moral. Donc ça va. Voilà. Ouais, voilà. Bon, je peux pas dire d'autre en fait. Donc je vais vous laisser. Alors je vous reprends, il est beaucoup plus tard dans la journée, je crois qu'il est 5h30 environ.
je partais chercher Anna au collège. Et Lucas a reçu un appel du sergent-chef pour lui dire qu'il avait reçu sa convocation pour les tests donc physique, psychologique, anglais, sport. Ben voilà, pour l'armée. Donc, ce sera début janvier, dans moins d'un mois. Autant vous dire que ça fout les boules quand même, parce que bon ben là il n'est pas prêt, et là il vient de se faire opérer en plus. Il commence à dégonfler, mais je vous avoue, c'était pas si évident pour lui, hein. Vraiment pas évident. Il se reconnaît pas, sa voix elle a changé parce qu'il a bien gonflé aussi là. Mais là, ça y est, ça va aller. On a reçu en plus aujourd'hui la barre de traction, donc c'est bon, il va pouvoir s'entraîner. Pour l'instant, il n'en fait que 3. Moi, je lui ai dit au minimum, il faut en faire 10. Et lui, il aimerait en faire 17. Bon, en un mois, je ne sais pas si ça va être possible. Dites-moi en commentaire si vous savez comment il peut faire pour faire le maximum de traction. Vraiment, dites-moi si vous savez. Voilà. Normalement, j'ai un collègue qui est censé m'ajouter sur Instagram et je vais lui demander des conseils. Sauf que il n'y pense pas. En même temps, je peux comprendre. Bon, donc, nous sommes le 12. Et je vais marquer mes horaires sur le calendrier qu'il y a sur le frigo pour que les enfants aient mes horaires. Voilà. Donc c'est cool, franchement, je suis contente pour lui. Et du coup, il y passera 3 jours. Et sur Bordeaux. Voilà. Rouge, tu veux quoi? Tu veux venir? J'ai un colon, hein. Va pas me dépasser. Tu peux dire oui. Du coup, moi, cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, évidemment, il fallait que ça arrive. J'ai une migraine, vous le voyez à ma tête. C'est pas le top. J'ai une migraine horrible. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Bah, après, j'ai fait du ménage. Oh, il est trop mignon. Mon bébé. Mon bébé. Oui. Bon, après, j'ai un café juste en face de moi, là, sur ma commode. J'aimerais bien le prendre quand même. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Donc là, j'allais me poser pour réviser. Demain, on a révision avec la prof de psychologie du développement. Et il faut que je révise la psychocognitive. On a eu un cours de révision ce matin qui s'est très bien passé. En soi, bon, je ne vais pas avoir tout juste, hein, c'est clair et net. Et puis il m'a dit non, mais ne stressez pas, de toute façon, vous allez être prête pour les rattrapages. Ce sera le même principe, donc ça va. Puis là, c'est les premières évaluations. C'est vraiment, je sais pas comment dire, mais on ne sait pas ce qui nous attend vraiment. Moi, ce qui me fait le plus flipper, c'est la psychologie sociale et la psychologie clinique psychopathologique. Non, pas leur empirement fondé. Et psychanalyse. Parce que c'est des questions. Les autres, c'est des QCM en soi, mais à point négatif. Donc, on verra bien. Mais ouais, donc là, c'est. Vous répondez que si vous savez. Oui. Bon, ben voilà. Du coup, le vlog, il sera pas très grand. En même temps, je vais pas me montrer en train de faire du ménage. Je sais qu'il y en a plein qui le font. Et moi, sur mon téléphone, j'écoute de la musique. Du coup, ouais. Quand j'aurai une caméra, ce sera différent. Et c'est pas pour tout de suite. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse pour l'instant. Là, il est que 5h30, donc j'ai encore le temps. Ensuite, je vais faire à manger pour ce soir. Et voilà. Là, j'ai hâte d'aller dormir. Je suis fatiguée. Fatiguée. Là, c'est de la fatigue mentale, en fait. C'est vraiment, je suis très, très, très fatiguée. Bon, ça va aller. Je pense que tous les étudiants, là, ceux qui me regardaient, vous êtes dans le même état, même il y en a qui regardent pas les vlogs, c'est normal, reposez-vous plutôt au lieu de me regarder. C'est voilà.
Vous avez plus que raison. Bon, allez, je vous laisse pour l'instant. Calcul de Cartier pourrait aboutir à une valeur nulle, alors que dans la seconde, sa valeur était bien plus importante, en l'occurrence 11,55. Alors la confiance accordée à la moyenne est un critère primordial dans les décisions que le chercheur prendra à la suite de ses analyses statistiques. L'écart type permet de mesurer la qualité de la moyenne comme paramètre de mesure de tendance centrale. Un petit écart type garantit que la moyenne est cohérente avec la distribution de données qu'elle vise à synthétiser. Par ailleurs, le calcul de l'écart type permet d'identifier si des données se distribuent normalement et d'en tirer des informations. Bon, voilà, j'ai une sale tête, hein. Voilà, faut dire, c'est le soir, je suis à moitié démaquillée déjà et tout, j'ai une sale tête. J'ai fini mes cadeaux de Noël pour les enfants, ça y est, bon, essentiellement sur Internet, vous savez, moi je suis pas trop contente d'aller dans les magasins et tout, donc voilà, et du coup, j'ai pas mal de choses à acheter pour le départ de Lucas aussi. Donc il va falloir que je m'en occupe. Là, je lui ai commandé un jean aussi pour il doit avoir certaines tenues et il y a ma maman qui va m'aider aussi. Donc Lucas c'est un sportif. Du coup, il a que des tenues de sport. Donc ouais, c'est pas si évident que ça pour lui, mais ouais, il va devoir mettre d'autres vêtements. Il va lui falloir des baskets de ville, alors qu'il n'en met jamais, mais que des baskets pour le sport. Je vais prendre des vitamines pour le soir. Voilà, tranquille. Je vais me démaquiller, dire bonne nuit aux filles, parce que là, il va être 9h. Après, moi, je vais monter cette vidéo parce que demain, je vous rappelle, je filme pas. Demain, c'est journée de cours, ménage, de révision. Les chats dorment ici. D'ailleurs, il va tomber lui. Un peu mieux, non? Voilà donc, je suis fatiguée. La migraine là de cet après-midi, ça m'a fracassée complètement. Vraiment, ouais. Allez. Je vous clôture la vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Bon, en soi, il ne s'est pas passé grand-chose, mais nous, on a eu quand même. C'est une grande nouvelle quand même de savoir quand est-ce qu'il va y aller. La barre de traction, c'est bien. Il en fait 5. Pour l'instant. Et lui, il aimerait en faire 17, ce qui est la note max en fait. Il en fait 5. En vrai, 10, ça serait très très bien. Là, il en fait 5. Donc, il faut qu'il arrive en moins d'un mois à en faire au minimum 10. Mais lui, il veut quand même faire entre 15 et 17. On verra bien. C'est faisable, mais là, c'est vrai que par rapport à ses dents. Ah, vous disputez pas, c'est bon. Par rapport à ses dents, là, il peut pas faire comme il voudrait. Parce qu'il a encore mal, quand même. Il sent que c'est sensible. Donc, voilà. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec la vidéo de demain. Et nous, on se revoit après-demain pour un Vlogmas. Je vous fais des gros bisous. Bye.